De la coalition pour le vrai dialogue, camarade et coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo, monsieur le représentant de l'Union pour la démocratie et le progrès social, nous attendions ce moment qui mette ensemble nos énergies, nos forces pour le bien de notre communauté. Voici les programmes auxquels nous allons obéir. Tout à l'heure, nous donnerons la parole au coordonnateur général de la société civile de la RDC qui va faire un mot d'introduction. Et après son mot, il sera suivi du coordonnateur, il sera suivi du président de l'Union pour la Nation. Il sera suivi du président, de l'honorable président de l'INC, qui va faire la description du contexte. On se met debout pour rendre grâce au Très-Haut. Viens, dispensateur des dons, toi qui illumines nos cœurs, tu es le guide souverain, ôte très doux de nos âmes. Sans ta puissance divine, il n'a rien en aucun homme. Rien qui ne soit perverti. Viens avec nous en cet instant. Lave ce qui est souillé. Baigne ce qui est aride. Guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide. Réchauffe ce qui est froid et rend droit ce qui est faussé. Donc tes deux bombes de tes grâces sur les croyances et fidèles remplis dans cette salle. Donne le mérite des vertus, donne la foi, l'espérance, la patience, la paix et le salut à tous les hommes. Ainsi soit-il. Amen. 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 Chers camarades, chers collègues, distingués invités, pour commencer, permettez-moi de m'acquitter d'un nombre de voix, de rendre hommage à tous nos compatriotes qui ont, au courant de cette lutte, été empêchés d'être avec nous ce jour par la volonté et l'imposition de l'intolérance politique. Nos idées vont vers le révérend Coutinho Fernando, l'honorable Diomi Dongala, l'honorable Chalouba et j'en passe. Dans ce même ordre d'idée, ma pensée s'élève pour des millions de morts tombés
sur le rouleau de l'intolérance. À l'Est de la République démocratique du Congo et des défenseurs des droits de l'homme dont sont nombreux sont inconnus. Ici, j'ai fait allusion à Floribert Chebeya Baïzire et Fidel Bazana. J'ai fait appel à la mémoire sur Amban Toumoulou, que tout le monde semble oublier aujourd'hui. Pour ce, je vous demande d'observer une minute de silence en leur mémoire. On s'élève. Merci. Un discours aujourd'hui. Sinon, expliquer pourquoi nous sommes ici présents dans une configuration qui n'est pas habituelle. Nous sommes un regroupement sociopolitique, c'est-à-dire la société civile et les acteurs politiques. Je crois que c'est la première fois que cela se produit dans ce pays. Oui, j'ai entendu oui. Voilà, parce que nous avons été minés de l'intérieur. Nous sommes tous membres d'une même société. Et d'ailleurs, le premier article de la Déclaration des droits universels de l'homme et des citoyens stipule que l'homme, les hommes naissent et meurent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne sont fondées que sur l'utilité commune. Nous naissons et nous sommes égaux. Les fonctions que nous assumons au sein de la société font les différences. Mais cependant, nous devons retenir que l'homme est un être social, bien sûr, mais avec une vocation politique. L'homme est un animal politique, a dit Aristote. En tant que tel, il est appelé à s'organiser pour gérer la société. De cette organisation émerge ce que nous appelons l'État. Aujourd'hui, chaque Congolais, même au fin fond du village, connaît que l'État, c'est moi, c'est vous, c'est lui, c'est nous tous. N'est-ce pas? Alors, on ne peut pas envisager l'existence d'une structure sans penser au sujet dont elle est l'émanation, qui est censé la contrôler et la gérer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser État sans penser à l'homme. Au niveau de notre pays, le problème se pose chez l'homme d'abord et au niveau des structures. C'est pourquoi aujourd'hui, étant donné que tous nous sommes membres de la société civile et que les organisations politiques et sociales ont chacune une mission, il y en a qui, après un mandat ou à travers un mandat public, doivent œuvrer les institutions de l'État et ce mandat, ils doivent l'obtenir de la bonne manière, c'est-à-dire c'est l'excellence qu'il y a au niveau de la société qu'on doit envoyer dans les institutions publiques. Sinon, les institutions publiques ne vont pas bien fonctionner et l'État, à ce moment-là, sera malade. C'est le cas que nous connaissons aujourd'hui à notre pays. Alors, au niveau de la base, nous devons considérer que les associations, les organisations de la société civile, autant que les partis politiques, nous sommes tous acteurs du secteur privé. Et en tant que tels, nous devons nous battre pour donner les meilleurs de nous dans les institutions à travers un mandat, un système clair. Là, nous voyons quelque part la CENI qui doit être une institution très transparente. Allez-y. Qui doit être une institution très transparente parce qu'il s'agit de nos voix, de notre volonté. Étant donné que nous sommes égaux, il faudrait que nous accédons aux mêmes droits et à la même possibilité d'être représentés dans les institutions de l'État. Des regroupements sociopolitiques
Sauvons la RDC. Est-ce qu'on peut applaudir? Pour sauver la RDC, nous voulons faire feu de tout bois. C'est-à-dire, chaque Congolais doit s'impliquer maintenant. Chaque Congolais doit jouer un rôle. Nous n'avons plus le droit d'être inactifs, d'afficher l'ignorance alors que nous savons ce qui se passe dans ce pays. Merci. Nous n'avons plus le droit d'afficher l'ignorance alors que nous savons ce qui se passe dans notre pays et nous avons la capacité de structurer les actions, les stratégies pour sortir de là où nous sommes. Nous sommes embourbés. Nous sommes embourbés. Raison pour laquelle nous avons décidé de nous retrouver ensemble, de réconcilier le peuple avec lui-même, c'est-à-dire les organisations, la société civile et les partis politiques, les organisations politiques. Et pour ça, c'est un message. Vous avez vu qu'on n'a pas voulu faire des discours. Il faudrait que vous puissiez vous imprégner de ce message, le transmettre à tous les niveaux, pour que les Congolais se sentent aujourd'hui obligés de participer à l'œuvre de sauvetage de notre République. Je vous remercie. C'est au nom de cette alliance que nous allons devoir inviter l'honorable président Vital Kamerhe de l'Union pour la nation de la RDC et pour le ministre de la mission pour le président. Mesdames et messieurs les présidents et responsables des partis politiques et organisations de la société civile, honorables députés, mesdames et messieurs, j'avoue la joie intense et immense qui m'habite en ce moment précis où je prends la parole devant vous à l'occasion du lancement de notre regroupement politique que nous avons dénommé Sauvons la RDC. Ce regroupement est une simple passerelle conjoncturelle de concertation en cas de besoin. Chaque mouvement garde son autonomie et son identité. C'est un lieu de mise en commun des actions qui s'imposent pour renforcer la démocratie, le respect des droits humains, asseoir la bonne gouvernance dans notre pays, bref, instaurer un état de droit pour que la RD Congo ne continue plus à ressembler à une jungle où règne la loi du plus fort. Oui, la RD Congo, dans sa situation actuelle, appelle des actions courageuses de la part de ses filles et fils pour les sauver. À observer les sacrifices que consent la communauté internationale pour relever et sortir notre pays du gouffre où il se trouve plongé depuis voici bientôt presque 20 ans, les Congolais que nous sommes ne devons qu'être interpellés pour faire mieux en venant au secours de notre pays pour le sauver. Car la RD Congo, c'est avant tout l'affaire des Congolais. La communauté internationale ne joue le rôle d'appui et d'accompagnement. Nous avons, quant à nous, initiateurs de ces nouveaux regroupements politiques ponctuels, FAC et CVD,
Nous avons dit ces mouvements avec lesquels il faudra désormais compter, compris qu'il était temps, face aux menaces de divers ordres, de nous retrouver pour faire obstacle à toute tentative de balkanisation de notre pays, de son insécurisation et de son détournement de la voie démocratique pour laquelle le peuple congolais a payé de son sang. Il n'y a point de doute que le Congo ira mieux le jour où ses fils et filles apprendront à passer leurs ambitions personnelles et leurs appétits gloutons après l'intérêt général. C'est ce que nous comptons faire pour prêcher par l'exemple, nous oublier, nous sacrifier pour la promotion des valeurs républicaines et l'amélioration des conditions de vie de nos populations, créer un climat favorable aux investissements et au tourisme. La RDC doit redevenir fréquentable et non pas un simple espace de blanchiment d'argent sale. Mesdames et messieurs, pour nous, sauver la RDC veut dire s'interdire de comploter contre le pays, de tricher les élections. Sauver la RDC veut dire s'interdire de comploter contre le pays, de tricher les élections. Notre ambition est d'inviter tout le monde à pratiquer la vertu, de se soumettre à la règle de la transparence et de la redevabilité, d'aimer et de partager avec son compatriote. Bref, le patriotisme, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, le respect de la parole donnée et des lois du pays, la démocratie et l'alternance au pouvoir. Sauver la RDC veut dire enfin rétablir des relations de bon voisinage, de solidarité et de respect mutuel. Il s'agit là d'un ensemble de valeurs sans lesquelles tout pays est voué à sa perte, comme c'est le cas pour le nôtre aujourd'hui. Il s'agit en même temps aussi de valeurs qui, lorsqu'elles sont observées et intériorisées, tout pays est appelé à un développement radieux grâce au travail et à l'effort de tous. Les exemples des pays africains comme le Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Ghana, le Sénégal et j'en passe en sont une belle illustration. Tel est le sens du contrat que s'assigne notre regroupement Sauvons la RDC, qui s'impose comme mission de lutter pour la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo, qui passe par le respect et la poursuite du processus électoral entamé en 2011 et par la critique exhaustive du gâchis électoral de novembre 2011 qui a plongé notre pays dans une crise de légitimité jusqu'à ce jour. Nous ne pensons pas que notre pays puisse aller aussi loin qu'il le voudrait sans s'arrêter un moment pour critiquer sa marche afin de se garantir un avenir meilleur. À cet égard, nous pensons que les concertations nationales qui ont eu lieu ou qui ont eu le mérite d'établir le bilan négatif du pouvoir en place
aurait dû clarifier la question électorale dans notre pays en critiquant à haute et intelligible voix les dernières élections en indiquant clairement ce qui peut être fait d'une part et ce qui ne peut pas l'être d'autre part, sans oublier d'attacher un barème de sanctions à toute attitude négative. Tous ceux qui ont favorisé la tricherie ne doivent pas demeurer impunis. Mesdames et messieurs, sauvons la République démocratique du Congo, sauvons la RDC en sigle, est en réalité un regroupement des organisations de la société civile et des partis politiques de l'opposition qui n'ont pas pris part aux dernières concertations nationales ou encore au congrès de la majorité présidentielle. Concrètement, il est le regroupement des FAC, de la CVD, Coalition pour le vrai dialogue, les forces acquises au changement des organisations de la société civile. Il compte en son sein trois anciens candidats présidents de la République, en l'occurrence M. Nzanga Mobutu, président national de l'IDEMO, l'honorable Mboussa Nyamwisi Antipas, président national du RCD-KML, et moi-même, votre humble serviteur. Président national de l'UNC et autorité morale de la CVD. Il compte en outre une quarantaine de députés nationaux en cours de mandat et plus ou moins une centaine des partis politiques et associations ou organisations de la société civile. C'est une grande œuvre que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui. Comme l'a si bien dit le coordonnateur général de la société civile dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, le dénominateur commun de nous tous est la lutte pour la paix, la sécurité pour tous, la démocratie et la justice pour tous dans notre pays, la bonne gouvernance et le respect des droits humains, de la constitution et des lois du pays. Nous rejetons et condamnons donc le mot d'ordre, le monolithisme politique, le non-respect de la constitution, des lois de la République, l'impunité, la corruption et le détournement des deniers publics, les violations massives des droits de l'homme, les viols faits aux femmes ainsi que le pillage de nos ressources naturelles. D'aucuns se demanderaient pourquoi n'avons-nous pas participé aux dernières concertations nationales alors que le président Kabila avait tendu la main à tout le monde. La réponse est donnée en lisant le communiqué publié par l'opposition le 1er juillet 2013 à l'issue de sa réunion tenue à CEPAS et les résolutions du conclave de l'opposition tenues à Limete du 6 au 11 juillet 2013. Nous avons été par contre surpris par ceux de nos amis qui avaient signé les documents cités ci-haut, ensemble avec nous, mais qui ont, sans évaluation aucune, daigné répondre à l'appel du président Kabila. C'est leur liberté, bien entendu, et nous nous gardons de les critiquer et de les condamner quant à ceux. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de nous poser la question de savoir si tous étions restés accrochés à ce que nous avions convenu, les fameuses concertations n'auraient-elles pas pris une bonne tournure? Pourquoi beaucoup de semaines après l'annonce de la mise en place du gouvernement dit de cohésion nationale, le gouvernement ne vient toujours pas? Pourquoi des mesures simples d'application, comme la libération des prisonniers politiques et des médias dits de l'opposition, ne sont pas toujours concrétisés? Il faut une autre concertation pour cela? Soyons clairs, nous n'avons pas dit que le travail
des concertateurs était nul. Nous avons tout simplement fustigé le fait qu'il y aura des instruments juridiques internationaux, l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 ne pouvaient que conduire à des recommandations trompe-œil. Nous aimerions avoir tort, comme avec le temps, tout finit par se savoir, ça va se savoir. Ça va, mais puisque les concertateurs n'ont pas élaboré un chronogramme de mise en place de leurs propres recommandations, comment le peuple que vous êtes, que nous sommes, même si nous étions contre les concertations, allons-nous évaluer l'application des dites recommandations? Donc le président Kabila a le loisir de libérer les prisonniers en 2016. Il peut appliquer ce qu'il veut, quand il veut, puisque les recommandations ne lui sont pas opposables et il n'y a pas de chronogramme. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas en train de chercher qu'on nous dise que nous avons et continuons à avoir raison. Non, nous ne sommes pas des triomphalistes. Nous sommes des humbles citoyens qui voudraient tout simplement montrer que dans ce pays, il y a encore des hommes, des femmes, des jeunes et des jeunes filles qui peuvent s'élever pour parler. Parlez, vous allez mourir. Vous vous taisez, vous allez mourir. Loba, okokufa. Olobite, loba nayo. Na loba. Merci. C'est pourquoi, disais-je, nous sommes convaincus qu'un futur très proche va nous obliger à nous retrouver dans le cadre d'un vrai dialogue, tel que prévu dans l'accord cadre d'Addis Abeba et dans la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. À ce moment-là, nous aurons le dialogue de la vérité. Le dialogue de la vérité, c'est la crise de légitimité. Le dialogue de la vérité, c'est la poursuite du processus électoral. Le dialogue de la vérité sur le respect des droits humains dans notre pays. Le dialogue de la vérité sur la fin du mandat présidentiel. Cette conviction qui est nôtre aujourd'hui est confortée par les rapports du secrétaire général des Nations Unies adressés au Conseil de sécurité en date du 24 septembre 2013 sur la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. En effet, au point 43 de ce rapport, le secrétaire général des Nations Unies invite les autorités congolaises à mettre en place un processus ouvert à tous qui renforce la cohésion nationale. Que ce rapport intervienne le 24 septembre 2013, au moment où les concertations nationales étaient en train d'amorcer leur atterrissage, et on ne peut plus éloquent. Oyazana Mato Yakoyoka, la RDC est notre pays à tous. Ni n'a le droit d'en exclure les autres ou de les empêcher de s'exprimer librement, sinon que dans les schémas préétablis. Nous ne pouvons pas accepter et nous n'accepterons pas. Autant nous respectons les autres, nous exigeons des autres du respect. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas terminer ces mots après avoir restitué les raisons de la composition de Sauvons la RDC sans rencontrer en passant les questions de l'heure, essentiellement la fin de la guerre à l'Est. Ici est d'affirmer d'entrée de jeu que la guerre nous faite par les M23 n'était que le sommet de l'iceberg cachant mal d'autres causes d'insécurité à l'est du pays qui, si l'on y prend garde, risquent de nous ramener à la case de départ.
Ainsi que tout le monde le sait, l'insécurité récurrente à l'est du pays est sous-tendue par la faiblesse de l'autorité de l'État, les pillages et le commerce illicite de nos ressources naturelles. Au sujet de la fin de la guerre des M23, l'opinion nationale est en liesse et nous avec elle. C'est pourquoi nous félicitons chaleureusement nos vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo pour notre victoire sur l'ennemi, sans oublier l'appui de la communauté internationale à travers la MINUSCO et sa brigade spéciale. Mais la palme d'or revient au peuple congolais qui a tenu bon derrière ses forces armées. En même temps, l'opinion nationale se pose la question de savoir comment, en moins de 10 jours seulement, cette guerre s'est terminée. Les soupçons qu'il y aurait une volonté ou une impulsion extérieure qui a déterminé la suite des événements, mais à quel prix ? La transparence dans la gestion des affaires de l'État voudrait que l'information en soit donnée à la population, qui du reste ne comprend pas qu'après une victoire qu'elle a savourée, notre gouvernement tergiverse quant à la signature du document devant constater la fin de la guerre. D'après nos informations, la divergence ne tiendrait qu'à l'intitulé du document, alors que le contenu qui a mis toutes les deux parties d'accord serait le même. Déclaration ou accord de paix, l'accord de volonté est acquis pour autour de 11 points. Le peuple n'a pas envoyé le gouvernement à Kampala. Il doit s'assumer et nous montrer que la guerre a réellement pris fin. Ce qui importe pour le peuple congolais, ce n'est pas l'accord, ce n'est pas l'intitulé, ce n'est pas la déclaration, mais tout ce que vous ferez là-bas, messieurs, mesdames, les membres du gouvernement, doit prouver au peuple congolais que vous avez tenu compte de son opinion. Aujourd'hui, nous sommes en frustration. Nous conseillons le président Kabila de consulter les vraies forces politiques et sociales ainsi que les vrais leaders politiques sur le contenu de ces documents. Nous pourrons, en mettant nos intelligences en commun, proposer une formule qui ne va pas énerver le peuple congolais et les facilitateurs et l'ensemble de la communauté internationale qui a apporté un appui appréciable. L'ère n'est pas au triomphalisme ni à la diabolisation. N'oublions pas le passé. Nous avons fêté après Sun City et nous avons repris la guerre après. Nous avons fêté après les élections de 2006. Nous avons averti le gouvernement si les accords passés avec le CNDP et le Rwanda, le M23 nous a rattrapés après les élections de 2011. Ici, il est question de briser cette spirale infernale. Le Conseil de sécurité est clair. Le Conseil de sécurité exige un accord en bonne et due forme. Nous sommes un peuple et un pays souverain. C'est pourquoi nous disons qu'il faut une concertation. Le mot malheureusement avait déjà été utilisé pour des raisons trop peu catholiques, mais il faut une consultation entre nous et avec le peuple avant de l'engager sur un chemin périlleux. C'est dans des moments de grande crise, mesdames et messieurs, comme c'est le cas à Kampala, qu'émergent de grands hommes capables de s'assumer en mettant au premier plan les intérêts du peuple congolais et de la sous-région. Ce n'est pas impossible. Et pour y parvenir, la recette est simple. Discuter du contenu du document avec tous les leaders, requérir leur avis, c'est oui ou c'est non. Campagne de sensibilisation de la population pour comprendre le bien fondé de terminer la guerre en enterrant définitivement la hache de la guerre. C'est ce que j'ai appelé autrefois l'union sacrée derrière nos forces armées et notre peuple.
ne faisons plus des choses en catimini. Souvent, au lieu de déboucher sur un compromis, cela entraîne le peuple dans la compromission. Mesdames et messieurs, la victoire du M23 résulte de la réorganisation et de la détermination de nos forces armées par le peuple congolais et la MONUSCO à travers sa brigade spéciale. Je l'ai dit ici haut. Avec la fin du conflit, de l'Est doit s'ouvrir la page de la reddition des comptes passés. C'est ce que nous appelons un droit d'inventaire. Qui a fait quoi dans le Kivu pour que nos forces armées aient autant été humiliées et nos populations aient autant été massacrées, violées, déplacées dans leur propre territoire? La justice doit se saisir des cas de violation grave des droits de l'homme et les juger suivant les normes requises. La RDC Congo attend toujours un vrai dialogue entre les forces politiques significatives. Les concertations politiques du palais du peuple n'auront été qu'une distraction de la majorité pour vouloir jouer la montre dans la perspective du 19 décembre 2016 qui demeure la date butoir pour le peuple congolais de la fin du mandat du président Kabila. Un gouvernement de cohésion nationale, la CVD, tout comme les FAC, ne se sentent pas concernés. C'est une distraction de plus. Pour conclure, mesdames et messieurs, parce que je vois l'impatience sur les visages du podium, pour conclure, je voudrais dire, avant d'annoncer une petite initiative de l'Union pour la nation congolaise, mais que nous allons partager avec les leaders des FAC et de la société civile, sur la caravane de la paix à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Je voudrais remercier sincèrement les responsables des FAC, les responsables de la société civile, les responsables de la CVD pour ces sursauts patriotiques, parce que désormais, nous allons nous retrouver pour poser des actions fortes pour amener notre peuple sur le chemin de la démocratisation pour que l'alternance ait lieu en 2016. Nous disons, nous devons conclure une paix de braves avec tous nos voisins à l'image de Gaulle et Adenauer après la Deuxième Guerre mondiale. Car les pays voisins, tous, constituent notre première galaxie de défense. Et nous allons y parvenir avec l'aide de Dieu, mais aussi du peuple congolais tout entier. Mesdames et messieurs, nous avons suivi ce matin le président de la CENI qui nous a livré son chronogramme. Vous avez tous noté que les élections n'auront pas lieu dans les délais impartis. C'est pourquoi nous demandons que la première action de Sauvons la République démocratique du Congo se focalise sur l'objectif d'obtenir que les élections provinciales se passent en 2014 pour mettre à côté toutes les institutions qui œuvrent jusqu'à présent sans mandat et sans légalité. Et qu'en 2016, on organise les élections législatives, nationales et présidentielles. C'est dans ce cadre de renforcement de la démocratie que nous voulons dire encore une fois merci à vous tous, militantes et militants des FAC, de la CVD, de la société civile et de tous les partis politiques représentés dans cette salle. Je tiens à vous remercier sincèrement
Merci beaucoup, messieurs les modérateurs. Ah, d'accord. Bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, présidents des partis politiques et des organisations sociales, monsieur le président Anzuluni, mesdames et messieurs les députés et sénateurs, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est un grand jour, le jour où les comptes à rebours pour M. Kabila va commencer. Très bien. J'ai ici une pensée pour nos amis Floribert Chebeya, Fidèle Bazana, Arma Tungulu. Et je ne peux ici aussi m'empêcher de penser à nos amis qui croupissent aujourd'hui en prison à cause de l'intolérance de M. Kabila. J'ai cité Pierre-Jacques Chaloupa, Eugène Diomi Ndongala, Zangi Muindo. Maintenant, je vais vous lire l'acte constitutif de Sauvons la RDC. 1. De la dénomination. Les forces sociales et politiques signataires du présent acte ont convenu de créer et de se constituer en un regroupement dénommé Sauvons la RDC. 2. De la nature. Sauvons la RDC est un regroupement momentané de forces sociales et politiques pour atteindre les objectifs ci-dessous. 3. Des objectifs. Les objectifs du rassemblement sont consolider la démocratie, notamment en veillant à la tenue des élections législatives, provinciales et sénatoriales dans un délai raisonnable avant les prochaines élections présidentielles et législatives nationales qui doivent se tenir obligatoirement en 2016. 2. Œuvrer à la résolution de la crise de légitimité née des élections chaotiques du 28 novembre 2011. 3. Veiller à ce que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, soit réellement indépendante pour que les élections à venir soient justes, équitable et transparente. 4. Lutter activement contre la corruption sous toutes ses formes. 5. Veiller au respect des droits humains et à la promotion du genre. Et 6. Enfin, exiger la tenue d'un dialogue national conformément à l'accord cadre du 24 février 2013, à la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi qu'au rapport du secrétaire général des Nations Unies du 24 septembre 2013. Des moyens d'action de notre regroupement. Sauvons la RDC utilisera tous les moyens des mobilisations et des communications légalement reconnues aux organisations sociales et politiques dans notre pays, en l'occurrence, campagne de sensibilisation, meeting populaire, marche pacifique, réunion dans les lieux privés et publics, mots d'ordre, conférences de presse, télévision, radio, presse écrite et autres. Des principes directeurs. Cette organisation a des principes qui la guident. Je vais vous les énumérer. 1.
sauvons la RDC est coprésidée par les responsables des regroupements membres. Deux, aucun membre du regroupement ne peut faire partie des structures issues des concertations nationales. Trois, le regroupement n'est pas ouvert aux forces sociales et politiques ayant pris part aux concertations nationales. Très bien. Quatre, sauvons la RDC mettra tout en œuvre pour que les articles verrouillés de la Constitution ne soient ni modifiés ni contournés par quelque subterfuge que ce soit. Il en sera de même pour toutes les dispositions constitutionnelles relatives au processus électoral, y compris l'article 73 de la Constitution. 5. Sauvons la RDC exige que les articles 71, 197 et 198 de la Constitution reprennent leur libellé d'avant la révision constitutionnelle cavalière et intempestive du 20 janvier 2011. 6. Selon les enjeux à venir, les signataires s'engagent à se réunir pour dégager une ligne de conduite en accord avec les intérêts majeurs de la société congolaise. 7. Toute force sociale ou politique membre, tout en gardant son autonomie d'action, s'engage à respecter les principes énoncés au point 5 de cet acte. 8. Sauvons la RDC reste ouvert à tout nouveau membre qui partage ses objectifs et qui accepte les principes énoncés dans le présent acte. 9. Les non-respect des principes si haut énoncés exposent le membre fautif à des sanctions allant jusqu'à l'exclusion définitive du regroupement. 10. Enfin, un règlement intérieur déterminera le fonctionnement du regroupement. De l'engagement des membres, les membres signataires du présent acte prennent l'engagement solennel d'observer de bonne foi les principes directeurs énoncés au point 5 en vue de garantir la réalisation des objectifs poursuivis par les regroupements. Voici l'acte signé par la société civile de la RDC, plusieurs organisations, il y en a plus de 25, la coalition pour le vrai dialogue, plusieurs organisations, il y a plus de 30 organisations, le force acquise au changement, plusieurs organisations et partis politiques, aussi plus de 30. Chers compatriotes, je vais terminer. Et je vais terminer aussi et je vous demande d'avoir une pensée et de prier, de beaucoup prier pour notre bishop Fernando Coutinho. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous ne pouvons pas l'oublier. Et chers compatriotes, je vous demande et je demande à tout Congolais, levons-nous et bâtissons notre pays comme Néhémie l'a fait en son temps. Il faut rebâtir la muraille. La RDC est un grand ouvrage à exécuter et donc il ne faut pas se laisser effrayer. Monsieur Kabila ne peut pas nous effrayer. Perdons pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît,
Ne perdons pas courage. Redorons le blason terni de notre identité. Et vous savez de qui je détiens cette parole. J'ai dit, redorons le blason terni de notre identité, comme l'a dit notre regretté frère Alain Moloto. Moto ekokita na mboka. Moto ekokita. Que Dieu le Tout-Puissant nous fortifie. Merci. Mituna pona ngonga moko pour les trois intervenants. Inquiétude nanga ya liboso pona ba intervenants nyoso trois. Na lingina ye ba pona nini soki bosangisi bato ebele boye. Po bato ebele batanga na binoté. Bo bandaka ba discours kana français na moyi makasi au point où ba mama mususu na ba papa mususu ba yokate. Eza pona nini? Mutuna eza epa moi, je suis Vital Kamerhe, on a Luka Kanazwa Kayete, mais on a profité à la foule. Moi, je suis Vital Kamerhe, je suis Oyo aussi au Saliba déclaration ébélée. Pour la situation en Mboka, surtout, je suis à point pour la situation à Est en Mboka. Lelo Awa, après victoire, il y a FRDC. Boye bo lancé opération sauvant la RDC. Nalingi na yeba. Nandenge yo yebeli ke parce que makambu ya est mutu bengana yo na persoir ya assemblée nationale. Lelo avec ce qui s'est passé na est ya mboka. Message clair nino koti ko pesa ba imboka na o ezali koleka na est ya mboka. Parce que ba congolais bazomona kaka oyo ya ba drapeau oyo ya likolo likolo. Nase ya makambu ya este ni nezali koleka na este ya mboka na biso. Wane za pona mwana mboka Vital Kamerhe. Mwana mboka Martin Fayoul. Oza coordonateur ya fac. Naza parmi batu basista na création ya fac na di fac. Eloko elembisa kabino ba division. Lelo bokutani awa na mesa yo na mwana mboka Vital Kamerhe na mwana mboka Christopher Ngoi pona société civile. Garantie nini bokoti ko pesa ba congolais parce que lokola yo zongela ka bible na lingina le kananzela yo le kaka un royaume divisé ne peut pas subsister. Et loko nini bokoti ko la ka ba congolais parce que ba film na bino pe leki bokoti ko la ka ba congolais ke yambala oyo boko finga na entre bino na bino teka mikolo mibale oyo pour que solution zo amate nazo tuna na mwana mboka Christopher Ngoi Mutamba pona kosukisa. Et l'obéli à moi na Bayer, Ezanga. Moi na mboka Christopher Ngoi Mutamba, Ozali Awa va présenter yo comme président national de la société civile. Avant, ba makambu nyoso oyo, oh concertation, oh ba imboka, ba Vital Kamerhe na ba Martin Fayoulou ba boyke makambu wana biso to yebi ngote na bino pe boboyam. Tomona ki botele maki ebele to zoye ba te société civile angweza akote nini. Yo lobby au président national, mususu abimi coordonnateur, mususu au chef de quartier, mususu au chef de rue. Finalement, tozo ebate. Société civile oyo ye ko représenter awa. Eza société civile nini. Proche ya opposition, to société civile kaka en général boy. Eza société civile nini oyo ko représenter awa. Pona kosukisa. Pona bino nyonso ndenge bolobia. Na eki na acte constitutif. Bolobi ke mutu nyonso akota ki concertation.
aza concerné te mutu nyonso oyo aza na makambo wana o cohésion nationale aza wate lelo awa soki bande komisusu bamoni kenzela bakendaki eza mabe balingi ba se convertir boko kangela bango porte to boko yamba bango merci soki olobi osa nini soko olobi te osa nini singa tosa ni tolo bate merci mingi na ndeko Elezer mikolo yo obana omona ngate po toyebi ke makambo ya Congo ba desida kango kaka na Congo te eutaka pe libanda foto sa division de travail ba misu batikali awa ba misu bakeno lakisa na libanda ke ba election esalamaki ezaki ya lokuta bwete ya mibale kolakisa ke biso opposition na UDPS na mbalawana Martin Fayulu azali awa tosengaka pe president UDPS andimaka Félix na Sami Badi banga bakeno tika biso na Addis Abeba ebele ba bosana le 28 janvier 2012 d'opposition tozela kite tokendeki na plan ya kolakisa tala ba cause oye komema bitumba na kati ya mboka na biso na janvier toi qui ba prophète te mais na mois d'avril ba to andima ki biso te M23 et Botami ndeko Elezer osali malamu po oye bi même ba projet de développement mboka na biso peuple a participé te parce que to lo bakango na français na anglais omona kaka monoko mboka na biso lingala swahili chiluba kikongo ezuka 5% ata olandi ba émission à radio Kapi, ato landi RTNC, ato landi ba télévision privée, omona ba émission kaka ya crèche ya mike nde ba tie lingala pona ko sekisa bato. Mais pona ko pesa information 5 minutes sili. Ya to lobi bona est ya Congo. Eza makambo bandi na 94. Mais to ko remonter angoti na ba 1916, ba 1937. To ko mabino kuna te. Mais na 94 ndé génocide salami na Rwanda tozu 2 millions abato basopani na mboka na biso ba réfugiés communauté internationale senga kibiso to yamba bango au nom du droit humanitaire international oko kangela muto azo kimaliwa porte te boyete oui. Mais tango salami boye na porte wana na frontière tozaki na mission mibale ya liboso ya ki minoir mission à Nations Unies au Rwanda ya mibale zaki turquoise mission ya ba français mais toujours sous le label à Nations Unies bakoka ko désarmer pe ko séparer bato bazana mandoki na ba civil basala ki angote ya tolobela ki mbale ebele tolobi non conflit à est origine nango ya liboso yango wana ya mibale tango ba ko découvrir nkita ba ko découvrir ba minéré ba coltan ba or et comme sikoyo pillage commerce illicite lelo yo totuni question awa na discours tolobaki pourquoi dans 10 jours seulement bitumboyo esili mais sikoyo nyonso yo mbalo nyonso tu ezaki nini nani yango abandaki kopekisa ba FRDC kobunda nani yango abanda koiba biloko akolia ya ba FRDC? Nani yango abanda kojua mosolo na bango? Munition. Yango la tabolanda kingai a partir ya ba media ya poto na lobaki ba militaire na biso na baki na français baza makasi pe bakoki kolonga bitumba puis balonga ka na Tchad. Na tango akana balonga ka pe na Rwanda babunda pe na batabora gambela bakomba bavini nyoso mona kaleza komba bitumba ya mboka foboye bango yango tolobi ezai kaka volonté bana ko manke na détermination ya mibale réponse oyo to ko pe ces ali boye cohésion sur le plan international c'est-à-dire boyokani ya oyo bakambaka mokili mobimba puisque kalezalaki oyo akolobela Congo ndambo
au misuba kolobela Rwanda na Uganda. Ça signifie que ba disparité wana yeti na terrain militaire. Sikoyo, est-ce que bitumbe sili ngarobi esili na noté? Discours nangai bokotanga o malamo en long et en large na français na opesa mon les airs ako limbolango na lingala po bato atanga o malamo. Na kati kuna na komi boye. Tokeba, tokeba, nakubeta mololo. Monguna zana nonakati, yandako. Puisque tant wakala, tant aussi l'ici, à Lusaka, tobeti maboko. Tant aussi si San City, tobeti maboko. Tosi si élection à 2006, tobeti maboko. Kondabatoare, yewana. Tosi si à 2011, au Batrishaki, Bosco Ntaganda, yewana. Bakangi Bosco Ntaganda Makenga yewana. Makenga batie pembeni Betra Bisimwa yewana. Esikoyo donc esikoyo pona kosisa bitumba wana na sepeli na ndeko ya lobi kuna na kati voix. La voix du peuple c'est la voix. La voix du peuple c'est la voix. Moto azotuna motuna wana nzamba koti na motema na ye. Nde motuna oyo il faut to mituna. Bauta kawapi machine wana oye fabrikaka ba rebel yango machine wana il faut to kanga boete pona kukanga ngo il faut ko sala nini pona kukanga yango il faut ko sala boye ngana zali leader politique natangi nzamba pesinga motema motema zali pona emotion boete. C'est pour l'ensemble de la moto. Bon, vous avez pour la nini? On a aucun ça. Yo, si vous avez un motema, vous avez un motote, vous avez un souka, un liboulou. Vous avez un bengali, mais si vous avez un peu de temps, il faut que vous aboyez. Na katia Congo, vous avez un groupe armé, mususu. Na minito, vous avez un kiv, vous avez un katia sala, vous avez un touri. Il y a Nord Katanga bayebi ki batoza ko kufa kaka. Pe batwana bazo comprendre teme na Shabunda bazo ko bituna mikuna bazo sala fête. Me biso awa fête na biso ko ya mokolo. Donc il faut mosala e continuer. Tozali na ba groupe armé étranger o yake pa na biso. Na zwaki occasion ko solo ana Martin Kobler représentant ya MONUSCO ay ko tala ngai na biro na ngai. A tout n'inganga na EBCA, il faut que ça la différence. Entre ma groupe armé, ou taki na Rwanda, na Uganda, na Burundi, FDLR, ADF Nalu, LRA, na FNL. Baza ma groupe armé, ou taki na bamboka, yamepaya. Na kati na bangope, il faut que ça la différence. Génocide de Salema Kipe, na Rwanda. Metozali na ba mai mai. Mai mai, bisonyo sotolanda ki awa. Tango mzee Laurent Désiré Kabila lobi congolais nyo sabate la nini mabele na eboete. Mais mai mai e okoma danger pour la nini. To sali San City to favoriser RCD MLC to bosali mai mai. To sali ba élection to favoriser CNDP to bosani mai mai. Sika omoni ke na campagne les alikaka M23 na gouvernement ba bosani lisusu mai mai. Yango biso to pour la mai mai ezali boye. Bozaba na mboka. Il faut to créer ba centre ya formation professionnelle. Ba je na biso ba kende kuna ba ye ko la mosala ya maboko, mosala bilanga, mosala ya courant, mosala ya mécanique, mosala ndenge na ndenge ko mélanger ciment to lingite lobby to mona chinois ou bien américain ou bien canadien azo balola pa o ya béton. Est-ce que vraiment pour na wana faut mutauta musika? Est-ce que o kaso moté na nzela aéroport chinois otambusa bulldozer? Est-ce qu'il y a solo ma petit na kata salo yo soba l'action des jours otambusa bulldozer te et bongo soki o formé ba mai mai bo pesi bango $100 na fin du mois. Est-ce que bakozonga la source mandoki o msuto lobie zaboye ba minere na biso pe na sepela ki na ide wana ya Martin Kobler biso nyonso to lobakango deja na opposition. Traçabilité à minerai to yeba minerai wana uti wapi ezo kende wapi puisque na ba téléphone na bino nyonso coltan ya kivu ezakuna a 80% na kati ba téléphone na bino
Est-ce que vous voyez Bakango? Bavion nyo somo na rezo décoller et zo atterrir 30% ya coltan ya Kivu ezakuna na kati. Si koto tout na gouvernement ndeko fayulu ndeko ewanga ndeko bitakwira ndeko fulani bino boza ba député. Bo tout na gouvernement na budget kwa ko présenter mbongo oyo coltan ko tsaki na mbongo na biso ezali yango to lobby na ndimi ide wana na lingala to lobabuye. Représentant spécial Andimi Nenga na Lubaki yepe a proposé Boye. To luka entreprise congolaise to créer en on a est ya Congo. Ba entreprise pilote. Na mususu atato sangani na ba apaya meza ba entreprise na biso. Ya lobi Monisco e koya ko si ko sécuriser ba mine wana. Mine wana zali minere. E bongo bo mimisa minere total andenge ko kende na ndenge bongo e ko zonga. Poya lobi ya kondi matin à Ituri 12 millions de kilogrammes d'or ezobima mena Ituri ata eloko moko de ko lezer po ici là na kusuka pe wana toye baka ke il faut absolument boyokani kati na biso oyo balobi na acte constitutif na biso Martin Fayulu atangiawa il faut vrai dialogue. Mais il faut aussi un vrai dialogue diplomatique na bapaya, ba voisin na biso. Il faut une vraie coopération, c'est-à-dire biso toza na biloko ezali ya biso. Est-ce que kolongwa na Congo et pumbwe Rwanda et pumbwe Uganda et pumbwe Tanzanie et pumbwe Kenya et keti na pora Mombasa ou bien Dar es Salaam? Yango to lobi to vanda to kanisa to sala inyo sacré to kosi sa malobaka kalelote yangonga na lobaki na bo baka na français te ngai je di na baye baninga na ngaba kondima na zo kende Goma na kosala Bunagana Rwenzori na sango avant et puis na kosala Sud Kivu. Et puis tout ce qui n'a béni Butembo Bunia, pour tout qui n'est pas béni à population, ils allaient pour la triomphalisme, tout qui n'est pas seulement total, la paix de sa population n'a pas besoin, beau fond la mission. Tous en a besoin, il y a paix pas n'a besoin, tous en a paix na kati ya région Mobimba. C'est possible na kanisi, voilà tout bengiango caravane de la paix. Na salaka ngobetango akala, na kenda ota la Jean-Pierre Bemba la Badolite tango bitumba. Roger Lumbala na bafwa sende tana ngaye kende Bukavu batie batono na nzela bato RCD mesuka suka lokola nzambe azalaki na biso tokoma ki Bukavu tokoma ki Goma pe oyo motako pe kisabiso ko kende azali te. Merci beaucoup patte de monaki tango basali concertation société civile atondai mwana na paye du peuple bakotai concertation. À tous les sources, que la société civile et à opposition, tout y a pouvoir. Dans ce cas, à tous les que dans des cas de routani boy, et que sous gâté tout kavana et tout soani ainsi de suite. La préoccupation à l'iboso, biso tous les sociétés civiles et à la République démocratique du Congo. Comment dit drapeau? Drapeau Ezaya RDC. Ponani, te, bango bazana ba drapeau, ya ba organisation. Waneza parti politique. Toboïte, le lobby, société civile ya RDC, et niveau Romanini, Congolais Nyoso, aza membre ya société civile. Tant qu'on a botami, droit naturel naï, en tant qu'être humain, oazolinga, à vivre malam, oazan à bonheur. Société civile de Yambakaye, à travers maman naï, à éduquer, à pensier na banakisi, y'a école gardienne, batindie na maternelle, l'école primaire, tina université. Ba piloko ba institution yoswana, ezali, société civile. Si quoi ceux qui les a organisés, donc on a qu'à faire ça là, on va syndicaliste Bazali.
basendika ya ba mama ya bazali basendika ya balakisi zali basendika ya biso yo sona bazali batuana bazako vivre bavandi pe bazo défendre nde makambo ya peuple mais kati na biso ezali na ba groupe mususu wana bazaba individu na mwa ba organisation na bango binomo olanda na concertation ke mbongo etambolaki mususu bazwaki basi na bango batie mususu bazwi ba makambo na bango. Pourquoi? Parce que Batouane Bassala Kaobele Pona, Mabumuna Bango. Yangwana, Bakamoyo, Sbaroba Yikuna, Binomo Boyebike, avant concertation, égale après concertation. Tisugoye no Batambo Gote. Ndeko Eliezer, Olobi Pona Nini, Tolobina Lingala, Te Lingala, la Mono Konabiso. Bato, Nyoso Bazaliawa, Ba Mama, Ba Tata, Pe Ba Lekio Bazaliawa. Bayokaka français pona discours to synthétiser yango yango to lobi yango na français mais tango tokitaka e pa ya bande kona biso na base to solo langa bango na lingala donc il y a pas de problème tokokita toko limbo la makambo yo to ti koloba wa na lingala po bande kona biso nyonso bayokango o babaka Swahili, bandeko mususu bako limbola ona Swahili. Ola baka Chiluba, na okendepe na Chiluba, kikongo a leta nyoso, na balangu nyoso. Alors, motuna na yo ya motuya, olobi division, ndeko Eliezer, ngaza mwana kisasa, nazalaka se, na se anzeta ali dame. Epayi, tokutanaka, Epayi batika kangai epayi bakokuta ngai tozali batu ya sa nzeta ali dame omoni awa bolobi awa force acquise à quoi force acquise à quoi bon nous ne sommes pas des forces acquises aux concertations c'est ça la différence nous ne sommes pas des forces acquises aux concertations to bandi est loco Tolobi eloko yo pona kobongisa mboka. Tolobi ke tozana moto moko oyo ayie kobebisa bizaleli na biso bana ya Congo. Moto wana akotia wana Afdel. Moto wana basali mbilinga mbilinga na RCD. Moto wana ayie na CNDP. Moto wana akomi kameleon ami koti siko yo na M23 ye Kabila. Alors, Tolobi que... Tolobi... Tolobi que... Tolobi boye... To bandi likambo yo... To sangani na bande konyoso... Bandeko yo bayebi banda to bandi makambo yo depuis 2010 président Tshisekedi azali na Bruxelles na keko talaye na taliye to yokani poto sangisa bandeko nyoso to bandi ko sangana to bandi ko sangana oyo bakomi ko kende ndambu ndambu balongwe sikoyo biso yo lisanga eye munene bato bagi nangai oyo Fayulu poni no kutana ndeko no kamerete Les autres, vous allez ouater. Amen. Vous allez ouater. Pour le bac, il y a des gens qui ont été en société civile. Est-ce que Christopher Ngoye allait ouater? Amen. Bande Konangaï, bateau pour mon yawa, mais ton benga qui est belé, ton koutanina est belé, Moussous Balobi Bokende, Binogo Banda, Togoya. Oyo Bagoya, Namote Mamoko, Nabolembu Bonso, Togondima Bango. Bande Konangaï, Kobangate. Alors, ndengo lobi que royaume divisé ne peut subsister tondimi yo. Yango wana biso bana ya Congo tozalaka tango mususu. Toyobaka etumba tozali kobunda. Etumbo tozali kobunda siko yo. Ezali etumba ya kolongola monsieur Kabila akende. Alors, totia makasi na biso. Totia mayele na biso po ya akende. Na kosili sa Na kosili sa s'il vous plaît micro ezali makasi te
micro est allé ma case, j'étais dans le gang dans le Congo Kende. Tolanda, s'il vous plaît. Na konsu ki sa na likambo yo ya FRDC bande konangai bana ya Congo nyoso bo vota ki ba député toza na parlement tozali na assemblée nationale il faut to senga na assemblée nationale ba gouvernement ekoki ko kende te ekende ko signer soki logo nini sans que bazwa ndingisa ya assemblée nationale ndingisa ya parlement c'est impossible. Yangoana, Namboka Nyoso ya sérieux. Et loko ya liboso Assemblée nationale lingi kosala, c'est que kosala débat pona eloko wana. Soki débat wana esili, basali commission d'enquête parlementaire. Commission wana esalami et ke kotala makambu nde epesi orientation na gouvernement. Gouvernement et koki koye la biso et loko oyo biso bana ya mboka tondimite to sengi boye il faut communauté internationale Martin Kobler madame Robinson monsieur Roussel Fengol na envoyé spécial oyo ya Union européenne bakende baloba na Rwanda bango gouvernement on a bakende ba Rwanda na batuna bango ya FDLR basala pelikita basala dialogue ya bango bayebisa Museveni na au gouvernement ougandais bakende basala likita basala dialogue ya bango na elera na adef nalu na onyuso ya bango kuna biso awa na Congo ndenge résolution 2098 et sengi to vanda to sala likita to yukana yango na to sengi dialogue dialogo yo ekoloba makambo yo etali mboka na biso yango wana biso bana ya sovo la RDC mikolo ezakoya tokosala convention na biso na convention na tokoloba ndenge nini biso toko prepare dialogue national tokosala yango awa na Fatima soki Fatima place ezate tokoluka place mususu tokoyebisa bino na mikolo ekoya merci mingi. Nous avons tous connu la table Oyo, Toyebaka, Toyebanaka na Ghislaine Dupont. Président Vital Kamerhe azalaki na Paris, makutanaki na Ghislaine Dupont. Ngai nazalaki na Paris le 28 septembre toliaki mesa moko na Ghislaine Dupont. Alors nakosenga bino, s'il vous plaît, qu'on abisse ba congolais to garder une minute de silence. Pour des silences pour na Ghislaine Dupont na Claude Verlon, s'il vous plaît. Vous allez dégager pour faire passer nos honorables. Thank you.
acceptez de nous mettre ensemble parce que nous avons des objectifs nobles. D'abord, il faut obtenir un vrai dialogue. Vous le savez très bien, dans son rapport du 25 septembre dernier, le secrétaire général des Nations Unies a dit clairement qu'il faut des dialogues conformes aux instruments internationaux. D'accord, Addis Abeba, la révolution 2098, nous devons nous battre. Le secrétaire général nous aide, le secrétaire spécial nous aide, mais nous devons nous aider nous-mêmes. Secundo, j'ai annoncé aujourd'hui une grande initiative de la caravane de la paix pour la paix à l'est et dans la région des Grands Lacs. Je démarre la caravane jeudi et ça sera pour donner un message de paix, un message d'amour pour nos populations de l'est du Congo, mais pour l'ensemble de la sous-région des Grands Lacs. Parce que j'estime que la meilleure façon de mettre à la guerre, c'est cultiver l'amour dans nos cœurs et la tolérance. Vous savez, quand vous êtes un grand leader, vous devez savoir vous assumer. Le gouvernement est parti à Kampala sans nous poser la question. Ils ont siégé 10 mois durant sans nous poser la question. Mais pourquoi au moment d'atterrir, ils étaient divers? Si cet accord va sceller définitivement la paix, il n'y a pas de problème. Pourquoi ils étaient divers? Et donc, d'abord, je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, ils doivent consulter les grands leaders. Ils doivent consulter l'Assemblée nationale. Pourquoi ils vont en catimini? Mais ils peuvent que récolter les problèmes avec la population. Puisque notre opinion est opposée à la signature de cet accord. L'opinion a besoin de comprendre pourquoi, après avoir gagné la guerre, on nous demande de signer l'accord. Ils sont incapables d'expliquer ça. Non, moi je n'ai pas peur de ça. Vous savez que c'est le peuple qui décide en définitive. Je n'ai pas les ennemis. Je n'ai pas la première fois. Je l'avais fait à l'époque du RCD. Je n'ai pas eu peur. Ils doivent savoir d'abord à qui ils ont affaire. J'irai à Goma, j'irai à Bunagana, j'irai à Rutshuru, je ferai Beni Butembo, je ferai Fizi Baraka, Walungu Kabare, Kale, Iji, je ferai toutes ces contrées Uvira. Personne ne va m'arrêter. Les communs n'appartiennent à personne. Attends, 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 attends